tout moun kompon nou. Mwen spik nou tout moun prebyen. Pa la grase de Diyo. Mwen tre kontan rejwen nou. Sou chanel sa pou nou kapab pataje ave ou kelke mou de la parol de Diyo. Sa fè nou plezi anpe. Donk nan video sa, nou pral pale ou anpe de la meditasyon. Donk nou pral pale ou koman ke ou kapab bien medite la parol de Diyo. Nou bien di koman kapab bien medite. Sa ve di ke yon fason de bien fèr et yon fason tou kapab mal fè sa. Donc, dans la vidéo ça, nous allons expliquer tout le détail qui est capable de méditer la parole. Et la parole qui est très importante, c'est un zamier, nous avons des gens pour utiliser un zam ça, même bien avec un soldat, et bien lorsque il y a un zam dans la main, lorsque il y a 9 mm, lorsque il y a toutes sortes de zam et moins, donc il y a des qui l'est pour l'utiliser. Donc, nous même en tant que soldat, et bien de Jésus-Christ, nous avons des gens pour nous utiliser la parole, mon Dieu. Si vous êtes toujours fait pour notre channel ça, n'a demandé au capable abonner avec nous et c'est trois fois abonner déjà n'a demandé invité au capable guetter un like sur vidéo comme ça que la capable encourager nous dans travail ça. Donc nous vous remercions pour compréhension en nous partie pour suite vidéo. Tout d'abord, ce qui est important c'est méditation. Donc lorsque nous regardons dans Josué chapitre 1er verset 8 qui ça qu'il dit, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, agis fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, en quelque sorte, passer ton parole, bon Dieu, il va y succès. Lorsqu'on quitte la parole, la traversée, la permettre qu'on capable de gagner succès dans toute sa voie. C'est pas seulement les entreprises, mais c'est tout ça qu'on va faire. Et tout ça que vous avez fait, tout ça que vous avez entreprendre comme activité, la barre réussite, la provision, la permettre que vous capable de gagner un succès là-dedans. C'est toutefois que vous été dans volonté, bon Dieu. Chers amis, c'est qui ça, méditation? On souvent entendait, il y a parlé de méditation, parce que bon, paquet de religions qui parlent de méditation, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, donc, il y a parlé de méditation en pile, en pile l'autre religion encore, il y a toujours parlé de méditation, mais il y a une grande différence entre façon qu'il y a fait méditation par là, parce que, il y a plus utilisé corps, il y a fait une série de gestes, et des fois, il y a des mots qu'il y a dit tout, donc, qui permettent à ce que, il y a une grande différence entre façon qu'il y a médité et nous-mêmes. Donc, qui ça, méditation? Il y a méditation. Méditation, on va venir, un paquet de définitions, tout dépend de qui côté que vous avez. Mais il y a quelques mots et bien qui courent que vous avez dans tout. Méditation, c'est se soumettre dans une profonde réflexion. Ok, se soumettre dans une profonde réflexion. Ok, c'est lorsque ou même ou soumettre tout ou soumettre l'âme, l'esprit dans une profonde réflexion. Et lorsque vous focus l'âme, l'esprit et bien sûr, il y a un seul bagage. Donc tout de suite, on est capable de soumettre dans mon tout de suite, on est capable que on est capable et bien méditer, on est capable méditer soit en bien, soit en mal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est intérieurement dans ton âme et ton esprit. Donc dans l'esprit où doit gagner bon bagage qui traverse la donne. Tout de bonnes pensées qui traverse la donne. Quand il faut passer temps et on va pas réfléchir en série de bagailles. Donc, ça fait partie de la méditation. Ça, tu vas voir que Joseph, tout qu'on histoire Joseph bien, lorsque Joseph, eh bien, est arrivé en Égypte, eh bien, lorsque Joseph est arrivé, fait frère lui, ouais, que c'est lui-même, il va dire frère lui comme ça que vous avez médité pour me faire le mal. Donc, ça veut dire que vous t'es médité pour te faire mal, mais l'éternel change l'angle. Ça veut dire que en plus des fois, il y a des gens qui ont médité pour faire mon mal. Il y a nourri en pensée négative. Ok? C'est soit que vous nourrissez en pensée positive, ou bien que vous nourrissez en pensée négative. Puisque c'est sous parole, bon Dieu, nous avons médité, donc, eh bien, la produit des effets positifs dans nous-mêmes. Pour qui ça, c'est important pour que nous soyons capables de méditer la parole? C'est parce que, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire que l'homme n'a pas eu seulement de pain seulement. Donc, c'est pas seulement manger et boire. Donc, ça veut dire que
l'homme n'a gagné trois parties là-dedans, il gagne l'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est pas seulement corps a besoin de manger seulement, l'âme n'a besoin tout, l'esprit a besoin. Donc, en quelque sorte, l'âme n'a besoin de parole, bon Dieu, pour capable nous. Donc, l'esprit a besoin de parole, bon Dieu, pour capable, et bien, nous. En quelque sorte, mes chers amis, la Bible, ça, c'est nous, là, c'est pas un simple livre, tant qu'on y a un livre, tant qu'on y a un roman. Non. La Bible, ça, c'est une source intarissable que Dieu. Donc, ou pas besoin de caffeine qu'on aime. Quel que soit mon nom, ouais, mon pousse école, il fait, grand classe. Si ou pas gagne l'esprit, bon, j'y arrive, ou pas qu'à comprendre la Bible, là, facile. Donc, l'important pour que nous connaissons que la Bible, là, ou mettre une rémiol, même gens qui ont bête, même gens qui ont ruminant, et bien, la ruminer, la première, ça saute manger. Nous-mêmes, tout le temps, nous devons ruminer parole, là. Donc, l'avantage, bien, c'est que, ruminant, manger, qu'il mange, il y a un bon côté, il a fini, tandis que parole, là, même verset qu'il y a, même verset où tu connais depuis petit, ou a toujours lu, il a toujours eu un pack dans la vie. Et ou a saisi, ouais, que, de pour laisser, ou guider par l'esprit, ou a pour que, on sait que des bagailles, l'esprit qui a ouvert les yeux sur nous. La parole, c'est une source intarissable que Dieu. La parole, là, c'est lumière. Chaque fois, dans Somme 119, verset 105, la parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, ça veut dire que, parole là, c'est un guide que Dieu. Sans parole là, nous n'en faisons rien. Avec parole là, nous n'en lignons. Nous allons avoir sept conseils qui permettent que vous êtes capable de bien lire la Bible ou bien méditer sur la Bible ou bien. Sept conseils, ça n'est pas sept conseils qui sont exhaustifs. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ça qui gagne. Donc, vous êtes capable de bien l'autre toujours. Mais nous allons essayer de partager sept bagages que nous-mêmes nous avons habitués à mettre en application. Et nous pensons que vous êtes capable de faire du bientôt. Lorsque vous-même, vous prenez un temps pour capable méditer sous parole, mon Dieu. Ok. Premier bagage que vous avez besoin pour capable méditer, bien entendu, n'est pas forcément, n'est pas indispensable, mais nous-mêmes nous recommandons. C'est, yon de quoi noter, yon cahier, yon stylo, pour capable noter, parce que ça arrive pendant que vous passez temps, yon idée que vous n'avez pas tout, pour capable noter, et bien ça que vous avez dans l'esprit là. Ça arrive que vous trouvez dans un côté, côté que ou pas ou capable méditer sans ça, mais l'important pour que ou capable bien kaya laisser l'esprit communiquer quelque chose pour capable écrire sous place, parce que les bagages ou recevoir, et bien ou pas recevoir encore, si ou pas prêcher noter, ça arrive que oublier, comme expression a dit, les paroles s'en vont mais l'écriture reste. Donc ça arrive, c'est pas seulement pour le moment de méditation, mais ça arrive l'abdomen, tout gain des rêves qu'on fait. Sou pan ekrev sa yo, ou kabliye yo, immédiatement fait pour ekrev la, ou ka pou lo al priye sou li, pou kon koman pou priye sou li. Donc, nou pa sou rêve, sou parole. Donc, ok, voilà. Non seulement, ou doué gagner des documents, mais aussi, faut capable priye avant que ou ale sou parole, sou lecture de la Bible. C'est une obligation pour que ou capable, eh bien, priye d'abord. Pour que ça ou doué d'abord, c'est parce que ou pal approche de yon livre, qui est tout à fait différent de tout l'autre livre. Ok? Si vous parlez de l'esprit, bon Dieu, vous ne pouvez pas comprendre rien. Donc, c'est bon Dieu pour faire grâce pour que vous soyez capable, et à travers son Saint-Esprit, pour que vous soyez capable d'arriver et bien comprendre la parole là. Mais sinon, avec la chair et le sang, vous ne pouvez pas capable d'arriver à comprendre. Vous pouvez que, vous pouvez lire en pile, mais pourtant, ce n'est pas rien sérieux à comprendre. C'est que Zacharie 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit, dit l'Éternel. Donc, c'est avec l'Esprit de Dieu seulement qu'on est capable d'arriver à comprendre la parole. Deuxième bagaille, vous avez besoin de faire, vous avez besoin de lire plusieurs fois. Ils sont versés, ça arrive, vous n'avez pas obligé de lire tout un chapitre parce qu'il y a des chapitres qui sont longs. Ok? Ça arrive que vous ne pouvez pas lire tout un chapitre. Mais si c'est deux ou trois versets, vous lire. Mais l'important pour lire plusieurs fois. Bon, première fois, vous appelez, vous capable d'avoir une idée sur la parole. Alors, fini la première fois, vous lire une deuxième fois maintenant. Deuxième fois, vous commencez à prêter attention à quelques bagages. Troisième fois, et là, vous allez commencer vraiment à entrer dans la réflexion pour que vous capable de noter des bagages. Par exemple, une série de mots qui répétés, qui sont en répétition pour capable de souligner les mots. Et puis, pour que vous allez faire des recherches là-dedans. Deuxième bagaille, vous devez faire, c'est important pour vous de connaître, vous devez connaître qui côté où il y a dans la Bible.
Donc, si on va le faire, on va le méditer, on va faire. Vous pouvez connaître qui côté situé, est-ce que vous situez dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, dans le terme théologie là, il y a le Vétéo Testamentaire. Dans le Nouveau Testament, le terme théologie là, c'est Néo Testamentaire. Donc, voilà, en quelque sorte, il est important pour connaître qui côté vous situez. Et il faut connaître tout, pas un passage que vous pas capable de méditer. Toute Bible est net utile. Si vous pensez que il y a un bagage dans la Bible là, donc il n'y a pas besoin de 30 ans. Tout bagage a une importance. Ça fait dans 2 Timothée 3, verset 16, la parole dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, toute la Bible, toute 66 lignes, tout important. Donc, j'ai longtemps, moi, pas de vouloir le cantique des cantiques parce que j'ai trouvé que ça n'a pas, il n'y a rien d'importance. Pourtant, il y a toute importance dans la Bible là, quel que soit le livre où il y a. Il y a importance parce que le problème dans la Bible, c'est qu'il y a importance. Cinquième bagage que vous devez faire, vous devez consulter que ça va lire, ça va passer dans ce lire, c'est garder dans plusieurs versions. Ok? Il y a plusieurs versions de Bible, il y a une version Louis II, il y a une version Darby, il y a une version Semer, il y a une version Thompson. Donc, il y a un paquet de versions. C'est juste si nous n'avons pas d'excuses pour dire que nous n'avons pas de Bible parce que sur Google, il y a tout type de Bible. Donc, vous êtes capable de garder, vous êtes capable de garder la Bible dans toute version sur Google, ou sur Google. Si on vous dit que vous n'avez pas de Bible, mais il est important, il est plus important si que vous êtes capable d'acheter la Bible pour que vous êtes capable de bien passer le temps parce que si vous êtes sur Internet, ça peut arriver que vous êtes perturbé par des notifications. Ok, mais en attendant que vous ayez une Bible, donc si toutefois que vous avez une occasion de savoir sur Google, garder le demander en pile concentration pour que vous ne perturbez pas. Ok, sixième bagaille que c'est important pour faire tout. C'est important pour capable connaître qui thème que chapitre ou à ou bien verset qui ou à. Ok? Donc, c'est important pour qu'on content pour capable faire ça. Donc, si toutefois que vous avez une difficulté pour faire ça tout, et Bill Thompson, by ça dit. Donc, si vous avez Bill Thompson, la petite ou en pile parce que chaque côté verset, ou bon qui t'aime que verset a dégagé là-dedans. Ok, ça arrive que nous-mêmes nous avons des difficultés pour nous connaître ça. Ok, nous avons des difficultés pour nous connaître est-ce que c'est l'amour qui a dégagé dans verset à cette persévérance. Donc, mais l'homme qui tombe son nom, l'ap et d'eau dans ce sens-là. Donc, l'important tout, c'est qu'on est capable de lire une Bible créole tout. Une Bible créole tout, capable de garder comment lire en créole. Parce que des fois, créole là, qu'on paraît un peu plus clair. Certains passages qui sont là qui sont intéressants ou bien que l'autre. Donc, c'est important pour pouvoir lire en créole. Mais c'est pas vraiment, nous pas dire pour passer tout le temps en créole. Je conseille ou bien lire dans deux versions, ni français, ni créole. Pour qui ça nous conseille français, c'est parce que si tout sur ces jeunes, la permet de enrichir dans le vocabulaire, conseiller de mots, on va tout comprendre, on va tout connaître. Alors, le fait qu'on va faire recherche là-dedans, eh bien, on va tout connaître. Mot ça. Tandis que créole là, on va vraiment gagner une recherche à faire tellement pour comprendre. Tandis que français là, il permet qu'on fait recherche, on sait que deux mots à comprendre. Les dernier bagage que nous apprenons, c'est au fait tout, c'est, eh bien, chercher signification, eh bien, des vocabulaires. Donc, ça nous tape là, que l'on lit en créole, on n'a pas besoin des mots qui sont vraiment difficiles à comprendre parce que c'est déjà la langue maternelle. Mais en français, il y a une série de mots, ou après, la permettre que fait recherche sur mot ça yo pour capable connait qui ça veut dire et aussi il y a une série de références tout dépend de ce type de Bible gagnant qui capable de faire des références et bien pour faut garder références pour voir qui ça veut dire. Donc d'ailleurs depuis l'op méditer a ou appeler si son histoire appeler si son verset appeler l'important pour qu'on capable et bien déjà pendant appeler là de penser à quelle histoire ça arrive son histoire dans Bible ça arrive dans histoire et bien dans la vie courante. Donc nous partager cette bagage avec vous, nous t'assurer que vous appliquez et puis pour qu'on capable ouais compréhension à commencer par développer au fur et à mesure. Merci parce que vous êtes content, vous êtes capable de garder nous. N'abdou à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que bon Dieu bénisse.